هذه الندوه الدوليه اللي كنعقدوها اليوم في هذه الجامعه هي ندوه اللي كتاكد على الاهميه ديال الحكامه الجيده ومكافحه الفساد من اجل فتح الباب نحو تنميه مستدامه واللي غادي تكون مدمجه لجميع الطاقات. اذا هذا الجانب ديال اخذ بعين الاعتبار ضروره ديال التحول ديال السياسات ديالنا باش توضع في جوهر ديالها مكافحه الفساد والشفافيه هو اساسي باش يمكننا نمشيو الى الامام ويمكننا نتجاوبوا مع تطلعات ديال المواطنين وانتظارات المشروعه ديالهم باش يمكننا نكون عندنا واحد التنميه اللي كتتجاوب مع متطلبات العصر خاصة في وقت اللي كاين الأزمات واللي كتجعل أن الإمكانيات كتكون يعني جد محدودة واللي بالضرورة كيخصنا يكون واحد العقلنة ديال الاستعمال ديالها والحد من يعني النزيف اللي كتكون فيه الرشوة هي الأساس. La corruption elle est partout dans tous les pays sur tous les continents. Il y a des atteintes à la probité, il y a des manœuvres, il y a des fraudes, il y a des tentations qui parfois donnent lieu à des actes illégaux. Toutes les institutions qui travaillent dans cet esprit-là, notamment en France, c'est pas simplement pour la France, c'est aussi pour permettre que les entreprises françaises respectent les normes et respectent le droit et soient conformes à l'esprit et aussi à la lettre de beaucoup de recommandations et de législation. Et ce que nous voulons faire dans ce type de colloque, c'est échanger nos expériences et montrer que pour le continent africain, c'est majeur. C'est majeur parce que nous savons qu'il y a plus là de marchés qui sont lancés, de grands équipements qui sont également construits, et il faut que ce soit avec des règles et avec des méthodes qui permettent justement à un grand pays comme le Maroc, mais à des grands pays comme l'Afrique, de ne pas pouvoir être justement finalement volé. Parce que la corruption, c'est un vol volé par soit des entreprises prédatrices, soit par des États prédateurs, car aussi il y a des États prédateurs qui viennent chercher les ressources naturelles ou qui viennent prendre des marchés avec des moyens dont on sait bien qu'ils reposent sur la corruption. Ce phénomène est un peu quelque part dans la nature humaine si elle n'observe pas des règles de morale et d'éthique qui l'éloignent précisément de tout ce qui est corruption, concussion, détournement de fonds privés ou publics, autrement dit, des prédateurs sur le bien d'autrui. Ce phénomène, on le trouve partout dans le monde. Il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas la corruption. C'est la raison pour laquelle une conférence comme celle-ci est fondamentalement importante parce qu'elle va aboutir à des conclusions, des propositions, des recommandations pour que tout le monde se mobilise pour lutter contre la corruption. C'est un phénomène anti-développement, un phénomène anti-croissance, un phénomène anti-mutation positive pour que les économies soient sauvées et qu'elles puissent être à la disposition de toutes les citoyennes et de tous les citoyens.